مصطفى كمال مدير مجموعة شركات سنتيسي. دونك باستمرار لهاد المساعدات او توزيع المساعدات الغذائيه على الاسر المعوزه، كما لاحظتوا معنا البارحه كانت توزيع ديال تقريبا واحد 1000 ولا 1200 قفه. اليوم على هاد 1000 و 1200 قفه شملت يعني السكان ديال المنطقه وديال مدينه الدخله. اليوم عندنا مجموعه من المساعدات اللي شملت الجاليه المقيمه الجاليه الافريقيه المقيمه في مدينه الدخله، الجاليه الايفواريه والجاليه الغينيه، وان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نوزعوا مجموعه كذلك من المساعدات على العمال والعاملات التابعين لمجموعه شركه سنتيسي اللي لهم دور كبير بطبيعه الحال المساعدات هذه، وهاد العمال والعاملات هما الركائز الاساسيه ديال الشركه. وكما قلت يعني مجموع العائلات اللي غتستافد من هاد التوزيعات غادي يشمل واحد 2000 عائله تقريبا ان شاء الله مدينه الدخله، ناهيك بطبيعه الحال عن مدن العيون واكادير والدار البيضاء اللي كاينين ناس اللي مختصين ومكلفين بهذه الامور هذه. دونك اللي ما نقدرش انا يعني نصرح بالاعداد اللي كاينين ناس مختصه اللي غادي تكلف بها من في كل مدينه. ومن هذا المنبر يعني كنشكر السلطات المحليه اللي مواكبه معنا هذه العمليه ومرافقنا في جميع النقاط ديال التوزيع، وكذلك وكذلك كنشكر الناس ديال ولايه الدخله واد الذهب وعلى راسها السيد الوالي اللي بطبيعه الحال بالتعليمات ديالو يعني بالتوصيات ديالو كنقوموا بهذه المساعدات وبهذه التحركات في جل يعني المدينه. Je me présente monsieur Gla. Je suis le président de l'association des immigrés à Dakhla. Alors je suis très heureux ce soir du geste de la de la part des autorités de la ville de Dakhla avec la participation du groupe Saint-Issy pour nous faciliter les œuvres pour les nourritures de tous les Africains. Ici, je suis vraiment dépassé. Un très grand geste que les autorités de Dakhla ont fait en notre faveur. Vraiment, je ne sais pas comment les remercier. Je remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a toujours pensé à nous, les immigrés qui sommes sur son royaume. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ils sont toujours à nos côtés pour nous aider. Ce soir, avec tous les grands gestes que les autorités ont fait, avec l'accord du groupe Saint-Issy, qui est toujours notre partenaire de tous les temps, on ne sait pas comment vous remercier. C'est Allah qui va vous bénir. Allah seul va vous remercier pour ce que vous faites pour nous en ces temps durs de coronavirus, de nous aider et d'aider tous les subsahariens qui sont ici à Dakhla. Merci beaucoup, merci au groupe Saint-Issy. Oui, le conseil que je peux donner aux immigrés, c'est de respecter les consignes comme j'ai déjà fait souvent. J'ai même fait des vidéos pour ça, pour les sensibiliser et pour prouver que je suis imprégné dans ce processus. J'ai désigné avec l'accord des autorités ma vice-présidente qui sensibilise les gens avec l'équipe de sensibilisation dans notre quartier ici à Massira, dans la ville de Dakhla. C'est pour dire que je suis imprégné dans ce processus. Que Allah garde toujours Dakhla sans problème, que la maladie n'arrive pas ici et vraiment que Allah nous protège tous. Et Siaka Kamara, je suis le président des communautés guinéennes à Dakhla. Je suis là, ça fait 5 ans que je suis à Dakhla. Vraiment, on est très très content aujourd'hui pour trouver des nourritures pour donner à mes frères à Dakhla. Vraiment, je salue l'autorité marocaine, je salue l'association qui nous donne cette nourriture. Et l'habitude, chaque indépendance est notre activité. Si on a besoin de quelque chose, c'est cette association qui nous donne beaucoup de choses, qui nous soutient. Si on a un problème, on vient, autorité marocaine, tout est facile. Donc vraiment, vraiment, on est très très content. Ce sont les Africains qui sont à Dakhla. Le problème de corona, on n'a pas trouvé de problème. On est là, tout le monde est à la maison, on suit des ordres de l'État marocain.
ce qu'ils vont nous dire, c'est ça qu'on va marcher pour faire. Les Africains, c'est le frigo, on trouve avec les restaurants, les hôtels, tout le monde est à la maison, il n'y a pas de travail à cause des maladies. Mais je vais dire à mes frères africains et mes sœurs africains de rester à la maison. Ce que les États marocains ont dit, restez calme à la maison. C'est un temps, ça va passer. Parce que ça, ce n'est pas au Maroc seulement. Ça, c'est la crise mondiale. Ok, donc c'est un petit temps, ça va passer. On prie à bon Dieu pour que Dieu nous donne longue vie avec les prothèses. Cette maladie n'a qu'à passer. Je viens encore pour saluer M. Moussafa, le directeur Frigo Argob. Vraiment, et tous les Africains vivant à Dakla, s'il y a un problème, si les Africains trouvent des problèmes à Dakla, ils s'élèvent pour nous aider. Le cas de maladie, le cas de nourriture, le cas d'indépendance. Si on a des problèmes, c'est M. Moussafa, il vient au secours. Si on appelle n'importe quel, le Grove City. بهذه المناسبة ديال فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد ارتأت الشركة أنها تقدم بعض القفف لمساعدة العائلات المعوزة في ظل هذه الظرفية، لأنه العديد من العائلات توقفوا عن العمل، فارتأت مجموعة أنها تخصص واحد نسبة ديال الأرباح من العائدات ديالها. كيف ما العادة، ماشي في أول مرة أو آخر مرة، هذه عادة كديرها دائما الشركة، وارتأت أنها تساعد الأسر المعوزة في هذه الظرفية. هذه أنها تقدم مساعدات للجالية الإفريقية بمدينة الداخلة، فقدمت 60 قفة للجالية السنغالية و 60 قفة للجالية الإيفوارية. كل جالية عندها جمعية ديالها متكلفة بها، فقمنا احنا وزعنا القفف على الجاليات، وكل جالية كتكلف بالمواطنين اللي عندنا هنا في مدينة الداخلة. ماشيش أول مرة، كان يامس وأول نامس وكاين اليوم، واستفدت منه يامس وأول نامس الساكنه ديال المنطقه، وغدا غادي يكون ان شاء الله بالنسبه للعمال والعاملات ديال شركه سنتيسي، وغادي يستمر هذا العمل ان شاء الله لمده 4 أو 5 ايام في اطار دعم العائلات المعوزه في هذه الظرفيه هذه.